a une bande son originale de l'horreur. C'est pas n'importe quoi de remplacer cette bande son par une autre bande son. On crée une nouvelle œuvre. Ça n'est jamais de l'illustration pure et simple. Ils essaient de trouver une correspondance d'émotion. Là, ils ont trouvé, mais en puisant dans un répertoire qui fait 4 siècles de musique. Et ça rejoint un petit peu d'ailleurs la démarche de Murnau lui-même. Il va faire un peu la synthèse de tout ce qu'il a appris des mouvements artistiques allemands contemporains, mais aussi de la tradition culturelle allemande. Et puis il va le fondre avec ce qui est le cinéma hollywoodien de la grande époque du cinéma muet. Et c'est ce que Guillaume Becker a fait en choisissant les morceaux et en les coulant d'une manière fluide pour accompagner le film.